La Russie a suspendu l'accord sur les exportations de céréales des ports ukrainiens. Un accord crucial pour l'approvisionnement alimentaire mondial. Selon Moscou, cette décision est une réponse à une attaque massive de drones ayant visé ce samedi la flotte russe de la mer Noire dans la baie de Sébastopol, en Crimée annexée. L'Ukraine dénonce, elle, un faux prétexte. De son côté, Moscou met aussi en accusation la Grande-Bretagne. La préparation de cet acte terroriste et la formation du personnel militaire du 73e Centre ukrainien des opérations maritimes spéciales ont été menées par des spécialistes britanniques, dénonce ce porte-parole du ministère russe de la Défense. L'armée russe a également accusé des représentants de la marine britannique d'avoir participé à la planification et à la mise en œuvre d'attaques contre les gazoducs Nord Stream le 26 septembre dernier en mer Baltique. La réponse n'a pas tardé. Dans un tweet, le ministère britannique de la Défense dénonce une manipulation de la part de son homologue russe. Pour détourner l'attention de sa gestion désastreuse de l'invasion illégale de l'Ukraine, le ministère russe de la Défense a recours à la diffusion de fausses affirmations d'une ampleur épique, est-il écrit. Par ailleurs, sur le terrain, un nouvel échange de prisonniers a eu lieu. 52 Ukrainiens, dont deux anciens défenseurs de l'usine sidérurgique Azovstal, ont été libérés. Au niveau militaire, les combats continuent de faire rage, notamment dans le sud, où les Ukrainiens tentent de progresser en direction de la ville de Kherson, aux mains des Russes depuis le début de la guerre. Nous avons diffusé ce soir sur Europe 1 l'interview exclusive accordée par Vladimir Poutine à Jean-Pierre Elkabbach et à Gilles Boulot. Je voudrais qu'on réécoute un extrait sur la crise ukrainienne et la question de la souveraineté. Vous allez l'entendre, le président russe évoque ou convoque deux grands dirigeants français. Je me rappelle très bien de la tradition gaulliste. Le général de Gaulle a toujours essayé de protéger la souveraineté française. Et de Gaulle est digne de respect. Il y a aussi l'exemple de Mitterrand qui parlait de la Confédération européenne avec la participation de la Russie, et j'espère que rien n'est perdu en ce qui concerne l'avenir de l'Europe. Jacques Attali, ce qu'on vient d'entendre de Vladimir Poutine, c'est une façon de dire, vous voyez, autrefois, la France jouait totalement avec la Russie. C'est très important ce qu'il dit là, parce que il redit quelque chose de fondamental dans la politique russe et qui, à mot couvert, est un appel au secours. Ce qui est fondamental dans la politique russe, c'est la liaison avec la France pour éviter d'être encerclé par des ennemis dont l'Allemagne était considérée comme telle. L'alliance française est une défense contre l'Allemagne depuis toujours dans l'histoire russe. C'est aussi une façon de dire « je suis un Européen ». Je vous demande de m'accepter dans la famille européenne. Moi, et il l'a dit déjà à plusieurs reprises ainsi, moi je ne ferai pas l'erreur qu'ont fait les Turcs de demander une adhésion à l'Union européenne pour me le faire refuser, parce que je suis une grande puissance et je ne veux pas me faire refuser. Mais la proposition qui avait été faite il y a 20 ans par François Mitterrand à Prague d'une confédération européenne qui est un ensemble dans lequel se trouvent d'autres Européens que ceux qui peuvent entrer dans l'Union européenne, mais qui me rappelle que je suis européen, est fondamental, ça me rattache à l'Europe et je le souhaite, j'en ai besoin. Je fais partie des puissances occidentales, je parle comme Poutine pourrait parler, je suis un... Il aurait ajouté d'ailleurs dans son fort intérieur, je suis une nation blanche, par opposition à tous les autres qui l'entourent. Je reprends pas à mon compte cette expression de nation blanche, mais elle est dans son esprit, et je vous demande de me prendre dans la famille européenne. Et je pense qu'on fait une immense erreur en ne saisissant pas cette main tendue. Et c'est un grand classique de la diplomatie russe, finalement, de dire l'Europe plutôt que l'OTAN.
Non, pour aller vite. Non, je ne pense pas, parce que je pense que si on lui disait rentrer dans l'OTAN un jour, il dirait pourquoi pas. Ce qu'il ne peut pas accepter, c'est que les autres rentrent dans l'OTAN sans lui. C'est que d'autres parties d'ancienne Union soviétique rentrent dans l'OTAN sans lui. Nous avons, la France a fait l'immense erreur d'accepter la proposition américaine en 2009 ou 2010 d'inscrire dans le programme de l'OTAN l'entrée de l'Ukraine. C'était un chiffon rouge agité devant les Russes qui était inacceptable pour eux. On ne peut pas imaginer d'isoler la Russie. J'ai dit tout à l'heure que l'isolement de la Russie était la pire chose qu'ils peuvent accepter. Faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, c'était une faute. L'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, bien sûr, mais pas dans l'OTAN. Alors Jacques Attali, je vous ai demandé de venir ce soir parce que vous avez été, on le sait, le conseiller spécial de François Mitterrand à l'Élysée pendant 10 ans, et nous entrons dans une séquence diplomatique et symbolique très forte avec les commémorations du débarquement en Normandie. Il va y avoir une concentration de chefs d'État et de gouvernement vendredi, de la reine d'Angleterre à Vladimir Poutine justement. Est-ce qu'au-delà du cérémonial, au-delà des belles images mondialisées, les chefs d'État arrivent à se parler dans ce genre d'événement? Pas vraiment. Justement, on annonce un face-à-face, un tête-à-tête entre Barack Obama et Vladimir Poutine vendredi en Normandie. Ils vont forcément là parler de la crise ukrainienne, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire ces derniers mois. C'est quand même un peu étrange et paradoxal qu'il faille ce contexte historique un peu festif de la commémoration du débarquement pour aborder la crise la plus grave de la planète du moment. Oui, crise qui peut conduire à une troisième guerre mondiale si on la prend mal. Crise qui s'explique assez largement, sans faire de caricature excessive, par la politique intérieure américaine et en particulier par le lien qui unit Obama avec la ville de Chicago, première ou deuxième ville polonaise du monde, et qui explique l'obsession américaine, qui est l'obsession polonaise, dont on peut comprendre les raisons, qui est tout sauf les Russes. Et ce sont les Polonais qui veulent absolument qu'on écarte les Russes de la présence en Ukraine. Ce sont les Polonais qui veulent à tout prix que l'Ukraine rentre dans l'OTAN comme ils le sont eux-mêmes. Et vous pensez que Barack Obama est sensible à ce lobbying russophobe? Bien sûr. Qui agit autour de lui? Absolument. Il est sensible parce qu'il est un homme de Chicago et tout ce qui se joue dans cette politique intérieure américaine lui est très présent. Alors je reviens des Corables, la Normandie, pour parler de cette crise. C'est étrange, non? Oui, c'est étrange. Surtout qu'on avait un rendez-vous pour en parler à Sochi et qu'on l'a refusé. Qu'on aurait pu avoir un autre rendez-vous pour en parler la veille à Bruxelles et qu'on n'a pas voulu inviter Poutine. Donc, pour des raisons de politique américaine, Obama, qui est évidemment obligé de parler avec Poutine, semble le faire par hasard ou en étant forcé pour dire aux Américains, écoutez, je ne pouvais pas faire autrement que le voir. Mais c'est vraiment grotesque, quoi. Merci, cher Président. Malgré tout le respect que j'ai pour vous, cher Président Brok, je ne suis pas du tout d'accord avec votre introduction. Je voudrais dire à M. Peshkov, tout en le remerciant d'être ici, que je ne voudrais pas qu'il croie que l'opinion politique européenne est au niveau d'exaltation que vous avez pu entendre dans cette salle. Dans mon pays, la France, nombreux sont les responsables politiques, et jusqu'à un Premier ministre hier, pour dire que l'hystérie anti-russe ne mène nulle part sur ce continent. Personne ne fera la guerre à la Russie, sauf les fous, et où n'interviendra militairement en Ukraine au milieu des centrales nucléaires. Tout ça est absurde, et nous savons très bien que ça n'aura pas lieu. Donc c'est une perte de temps que les exagérations auxquelles nous venons d'assister ici. Pour ma part, je ne crois pas que vous soyez l'agresseur, et il suffit qu'ici il n'ait pas été dit un seul mot de l'intervention des États-Unis d'Amérique en Ukraine pour montrer à quel point cette salle est polarisée par une ambiance de guerre froide qui ne correspond à aucune réalité du monde dans lequel nous sommes. De toute façon, tout cela est un aimable bavardage. Ce week-end, il y a eu une discussion entre nos présidents et le vôtre. Et je voudrais savoir quelles sont les dispositions qui sont prises par votre Parlement pour que l'accord, qui semble-t-il a été bien avancé ce week-end, se traduise par une décision en ce qui concerne la Russie elle-même pour qu'elle se porte garant de son application. Un mot, monsieur, si vous permettez, monsieur Brok. Je vais vous dire la reconnaissance qui ne quittera jamais l'esprit de mes compatriotes sur le rôle qu'a joué la Russie pour la libération de nos pays au cours de la dernière guerre, et personne n'oubliera les 20 millions de morts de votre pays au service de notre liberté. Mr. Mélenchon, für die Befreiung Frankreich. Monsieur Mélenchon, pour la libération de la France, il y avait aussi des Anglais et des Américains. Ceux que vous venez d'attaquer. Ils étaient là et ils étaient responsables. Ne l'oubliez pas.
Je voudrais vous rappeler qui a débarqué en Normandie. Vous n'avez pas la parole, monsieur Mélenchon. Alors dans ce cas, vous non plus. Jean-Luc Mélenchon, on va parler de l'Ukraine maintenant. Vous reprochez à l'Europe, dans cette crise qui perdure, d'entretenir la guerre, c'était il y a 15 jours. Ce sont des accusations qu'on peut juger graves. Oui, oui. Pourquoi est-ce que bien vous dites sûr. Ça Et ben parce que c'est les faits. Il y a de la part des États-Unis d'Amérique la volonté d'établir en Europe une frontière, c'est-à-dire avec un intérieur et un extérieur. À l'intérieur, c'est tout ce qui relève de l'OTAN, hein, l'organisation soi-disant de l'Atlantique Nord. Vous savez que l'OTAN agit en Afghanistan, qui n'a pourtant aucun rivage sur l'Atlantique. Mais enfin, bref, l'organisation militaire correspondante à l'Empire nord-américain. Et d'ailleurs, les 10 pays qui ont été intégrés d'un coup, ce qui est une erreur monstrueuse dans le cadre de l'Europe, ont d'abord dû adhérer à l'OTAN. Et la pression qu'exerce du point de vue de la politique mondiale, qui est celle des États-Unis d'Amérique, pour des raisons qui sont liées à sa propre situation d'empire déclinant et quasi failli, ce qui est le grand problème de notre époque, les conduit à vouloir prendre la Russie et la Chine dans une même tenaille. Raison pour laquelle ils ont voulu avancer les frontières de l'OTAN jusqu'au bout de l'Ukraine, donc à la porte de la Russie, et au moins jusqu'aux portes des bases russes qui contrôlent le passage des pipelines des Russes dans la mer Noire. Les provocateurs sont les Américains et non les Russes. À Maïdan, oui. C'est la CIA. Alors, attendez, non, mais soyez pas caricaturaux comme ça. Les provocateurs contre la CIA étaient en Ukraine. Ah non, mais vous avez tout à fait raison de rappeler que la dernière visite officielle, c'est le vice-président des États-Unis, celui d'avant le directeur de la CIA, et il y a un reportage d'une chaîne allemande, je sais pas pourquoi ce sont les journaux allemands qui s'intéressent à ça et pas les journaux français, qui établit que sur la place Maïdan, ceux qui ont tiré sur les gens ne sont peut-être pas ceux qu'on croyait. Mais que s'est-il passé? Il faut bien comprendre l'enchaînement des faits si on veut qu'ils ne se reproduisent pas. Les États-Unis d'Amérique exercent une pression sur un pays vermoulu jusque au cœur de lui-même de la triche, de la kleptocratie des oligarques qui sont là. Et il y a eu, on en doit en être à la troisième révolution populaire contre les oligarques. Ce sont des révolutions sociales confisqués par le nationalisme et l'ultranationalisme, et pour certains, des néo-nazis qui dorénavant sont au gouvernement de l'Ukraine. Que s'est-il passé? À un moment donné, la situation a échappé aux marionnettistes. Et ceux qui se sont mis en avant sont les plus violents, les plus fous, les plus délirants, qui vont d'une provocation à l'autre. Et c'est dans ce contexte que la Russie, qui avait quelques raisons de ne plus croire à la parole des Européens, je les mentionnerai si vous le voulez, la Russie a pris une garantie avec la Crimée, qui a toujours été une terre russe jusqu'à M. Khrouchtchev, et dorénavant, d'accord, vous savez... Vous donnez raison à Vladimir Poutine pour non, ce que d'aucuns considèrent comme invasion. Vous m'avez mal compris. D'accord. Vous m'avez demandé de vous expliquer une situation, je vous l'explique. Je ne donne raison à personne. Vous dites c'est une garantie. Je pense qu'il pensait c'est de donner une garantie. Maintenant, moi je n'ai pas dit qu'il faille se donner des garanties, je suis contre le fait qu'on touche aux frontières en Europe. Ça doit être parfaitement clair, et ça vaut pour tout le monde. Non, je me contente de dire que je compatis aux efforts qui vous sont imposés chaque fois que vous faites une description, de la sortir à intervalles réguliers du refrain « mais ça ne veut pas dire que je soutiens Poutine, mais ça ne veut pas dire que », tellement la pression idéologique qui s'exerce sur nous est terrible. Vous avez raison de dire, j'étais parlementaire européen, j'ai pu le constater, que la soi-disant Nouvelle Europe exerce une pression absolument terrible liée à l'histoire profonde. Mais que pour autant, c'est pas une raison pour que les Français y cèdent, parce que eux aussi ont une histoire profonde, et dans cette histoire, la preuve a été administrée 10 fois qu'il n'est de bonne politique pour nous qu'en partenariat avec la Russie, qui ne peut et ne doit jamais être un ennemi, quel que soit son régime, et l'histoire en atteste, le général avait reconnu la Chine populaire et pacté avec Staline, qui n'était pas pour lui une référence idéologique. Bon, voilà. Moi, je voudrais vous entendre argumenter sur le reste. Ça ne sert à rien que je vous en demande davantage. Je pense que vous avez tout dit. Et en tout cas, ce qui me paraît vrai pour moi aussi. Est-ce que vous pouvez revenir sur les BRICS, la part que prend la Russie, la menace ou non que ça fait peser réellement sur les États-Unis et la centralité qui joue la Russie ou la Chine, parce que c'est une chose qui n'est pas très claire dans mon esprit. Pas assez. La deuxième, c'est vous parler des trois Ukraines. Et j'ai bien compris que vous nous avez tracé un petit pointillé pour qu'on y réfléchisse.
comment on voit bien que le régime actuel n'est pas viable, que c'est un ramassis, enfin à mes yeux, hein, un ramassis d'aventuriers qui peut nous emmener à des catastrophes sur tout le continent. Comment croyez-vous que peut évoluer cette situation interne de l'Ukraine tenue de la part qu'il y a en elle d'identité russe? Merci beaucoup. Je m'en limite à ça. Les sanctions, je partage la question de mes collègues. Bon, je les trouve aberrantes, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment c'est vu depuis l'autre côté? Alors bon, sur la question des sanctions, parce que ça c'est rapide, il est clair que ces sanctions, ça, c'est le côté psychologique d'abord qui est terrible pour les Russes. C'est ce sentiment qu'on peut les traiter... personne ne prend des sanctions à l'égard des États-Unis. Enfin, c'est un peu comme ça que les Russes voient le problème. On prend des sanctions à l'égard d'un pays qu'on tient comme un pays de seconde zone. Je dirais que l'effet psychologique est assez dévastateur. L'effet matériel n'est pas considérable. Enfin, ça gêne les hommes d'affaires qui vont en Russie. Ça gêne nos affaires, principalement. Ça a eu un effet positif pour les Russes. Ça les a obligés à prendre en main, je dirais, la situation agricole d'abord, une des conséquences, et à produire des choses qu'ils ne produisaient pas. Une des conséquences qui est absolument visible, c'est l'effort dans le domaine céréalier. Vous savez que cette année, la Russie est redevenue un grand exportateur de céréales. Enfin, toute l'histoire depuis 1913 est une histoire de céréales ratées. C'est un miracle absolument. Okay, ils sont extrêmement sensibles et c'est pas un miracle. C'est le miracle du travail qu'ils ont accompli et de la restructuration du secteur céréalier. Donc on peut dire qu'on leur a donné une leçon. De la même manière, ils essayent dans le domaine des petites et moyennes entreprises de reconstituer quelque chose qui peut leur permettre de faire face à ces sanctions. Alors je dirais que ça correspond. La Russie s'est enfoncée dans la facilité d'une vie sur la rente pétrolière pendant très longtemps. D'une certaine façon, on lui a tapé sur la tête et elle en a tiré quelques avantages. Peut-être pas encore assez, mais malgré tout, c'est le côté qu'on peut considérer comme positif. Il y a un point sur lequel on ne peut pas plaisanter. La Russie, Poutine n'entend nullement reconstituer un empire. Et je voudrais tout de suite dire que sa phrase, la fin de l'Union soviétique a été la plus grande catastrophe géopolitique, a été très mal comprise. Solzhenitsyn a d'ailleurs expliqué le sens du mot catastrophe. La catastrophe, c'est ce qui ébranle une société. C'est tout. Et ça a été. Ça n'est pas. Il faut revenir là-dessus. Poutine est comme les Russes. Tout le monde sait que l'Empire s'était terminé. Il n'est pas question d'Empire. Mais il y a un désir tout de même de vivre, d'une part, d'être reconnu, et deuxièmement, de vivre normalement avec ceux avec qui on doit vivre normalement. Et là se pose la question de l'Ukraine. Nous ignorons tout à fait que l'Ukraine, c'est en partie la Russie. Leurs histoires sont communes. Kiev est le berceau de la Russie. Enfin, n'oubliez pas les Russes ont renoncé à l'Empire, ils ont renoncé à leur berceau. C'est comme si nous renoncions à Paris. Enfin, il faut tout de même pas négliger ces faits. Et dans chaque famille russe, il y a un Ukrainien, dans chaque famille ukrainienne, il y a un Russe. C'est une relation, je dirais, d'une nature particulière. C'est une relation familiale. La rupture avec l'Ukraine est impensable. Mais il ne s'agit pas de reconstituer un empire. Ce dont les Russes avaient rêvé, c'est, au fond, une espèce de Commonwealth. La notion de Commonwealth, le Commonwealth leur a beaucoup plu. C'est raté parce que tout le monde y a mis du sien. Et notamment, les révolutions d'heure ont été un élément de désagrégation de cette espérance. Bon. Je crois que c'est partie perdue. Ce que les Russes essayent, c'est aujourd'hui, c'est de forger cette union d'Eurasie, union économique eurasienne, le rêve actuel, c'est-à-dire l'union avec le Kazakhstan, la Kirghizie, l'Arménie, la Biélorussie. Et dans ce dessin, il faudrait l'Ukraine, évidemment. Alors ça, c'est un autre problème. Mais l'histoire n'a pas fini de s'écrire. L'un d'entre vous, M. Mélenchon, vous avez posé le problème des BRICS, et vous avez tout à fait raison, parce que la Russie, elle joue à travers ses alliances dans lesquelles elle entend se composer. Elle a le sentiment qu'on est à un autre moment de l'histoire, que le moment qui a été marqué par la super domination américaine, les États-Unis et l'OTAN, est un moment qui est en train de s'affaiblir. Ça ne veut pas dire qu'il disparaît, mais qui est en train de...
qu'il y a un glissement, qu'à côté apparaissent d'autres pôles, et que dans ces autres pôles, ou une fois encore, je voudrais être très précise, la Russie en 1990 et même en 2000 n'avait qu'une seule idée, c'est d'entrer dans la famille européenne et dans la famille occidentale. Mais maintenant, 18 ans passés, les désillusions sont là, et l'idée c'est maintenant qu'il faut être dans les autres pôles aussi, et que ces autres pôles peuvent véritablement maintenant changer le paysage géopolitique, ce qui est en train de se passer. Les BRICS, à cet égard, sont très importants, c'est-à-dire qu'il y a les pays qui eux-mêmes ont des sentiments d'humiliation, qui ont vécu des changements difficiles. Alors, dans les BRICS, la Russie n'est pas le pays le plus peuplé, loin de là. Elle n'est pas le pays le plus riche, loin de là. Mais elle a le sentiment que ça, c'est une des alliances possibles, exactement comme le groupe de Shanghai, exactement comme tous les autres groupes. Et je crois que l'idée alternative qu'on puisse courir vers, je dirais, une monnaie différente, non pas détruire complètement le dollar, mais tout de même multiplier les monnaies de référence, c'est une idée qui est tout de même dans l'esprit des fondateurs du BRICS, comme elle est d'ailleurs dans liste, quelque part dans l'esprit du groupe de Shanghai. Les Chinois considèrent peut-être que leur monnaie peut jouer un rôle à un moment donné. Donc tout ça, c'est un avenir qui s'esquisse, c'est une vision d'avenir, c'est pas immédiat, mais la Russie ne se trouve plus isolée. Elle est dans tous ses relais. Alors je voudrais un dernier point, je voudrais dire à propos de la Chine, tout de même, la Russie joue une carte asiatique désormais. Elle est consciente désormais que le monde ayant basculé, c'est autour du Pacifique qu'il est important d'être présent. La Chine est la grande puissance. C'est très compliqué les rapports entre Russie et la Chine. Il y a le déséquilibre de population à 150 millions et 1 milliard et demi, ou 147 millions et 1 milliard et demi, mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est que les uns et les autres ont au moins maintenant le sentiment que quelque chose se joue dans cette région. Et que la Russie elle s'est replacée, car c'est tout de même, il faut réfléchir, c'est pas elle qui avait inventé le groupe de Shanghai, ce sont les Chinois. Et les républiques d'Asie centrale étaient dedans. Et la Russie a réussi à rentrer, grâce à Poutine, dans cet ensemble comme coparin du groupe de Shanghai. C'est assez remarquable de récupérer ça, alors que là, ce sont ses anciens partenaires. Et actuellement, Poutine s'efforce de participer aux routes de la soie, parce que les routes de la soie, c'est tout de même ça l'avenir. Alors, dernier point, ne soyons pas absents de tout ça.